Salut, salut les gars. Alors on se retrouve pour faire le chapitre 3, les Amazones de la campagne L'Eldorado. Partie un petit peu spéciale celle-ci. Hein. Je l'ai fait qu'une fois, je vais voir si je peux la faire en mieux, on va dire. Orellana, cette rivière semble s'élargir. Nous ne devrions plus être loin de l'océan. Vous avez entendu? On aurait dû une énorme explosion. Comme un tonneau de poudre à canon. Oui, quelque chose ne tourne pas rond. Nous devrions trouver de la nourriture et filer d'ici au plus vite. Qu'est-ce que ceci? Ce doit être les Amazones. Elles ont bloqué la rivière. Faites demi-tour immédiatement. Nous avons besoin de nourriture. Il y a un village un peu plus loin. Tuez tous les villageois et prenez leur nourriture. Alors, donc là, vous voyez, je commence avec 5 nourritures. La nourriture va diminuer au fur et à mesure de la partie. Constamment et en fonction du nombre d'unités que j'aurai envie. Donc bien sûr, perte de unités, ça reste quand même bien pratique. Alors les sont en neutre, ok c'est normal. Et le seul moyen de récupérer de la nourriture, donc c'est par exemple détruire des villages comme ça ou effectuer quelques objectifs, vous allez voir par la suite. Donc là... 75 nourriture, donc là je suis à 80 mais ça va baisser continuellement. Il nous faut plus de nourriture, écartez-vous et fouillez cet endroit. Alors moi ce que je faisais c'est que je prenais le groupe de conquistadors avec Orellana pardon, et j'ai trouvé une carte, donc ils me mettent quelques petits points précis si vous voulez, et après l'autre groupe là, canonnier. Donc là par exemple ici j'ai, ah y'a pas le PNJ, des Incas qui sont alliés, là j'ai un pêcheur. Là, j'ai des violets qui sont alliés. Ici, c'est le point final. Donc là, on commence à explorer. Alors, il y a des ennemis qui se baladent. C'est les patrouilles Amazon, là, en gris. Faut faire gaffe quand même, parce qu'ils piquent un petit peu. Donc, vous voyez, déjà, j'ai perdu 10 de nourriture. J'étais à 80. Et ça diminue quand même super vite. Donc là, c'est pour ça que ce groupe-là, il y aura des pertes, mais ça n'a pas d'importance, honnêtement, heureusement. Je vais vraiment garder eux, qui ont de la mobilité et tout ça. Voilà, par exemple. Boum. Et faites gaffe quand même, parce que les patrouilles Amazon, bon, ça surprend un peu. Par contre, ce serait sympa. Pourquoi ils ont pas d'aptitude d'attaque? J'ai mis ce clic. Waouh. Regardez un petit peu les dégâts que font les lanciers, c'est ce que je vous disais. Deux fois il m'a tapé, waouh, ça pique. En agressif, s'il te plaît. Vous avez trouvé un poste de commerce aborigène. Que les Amazones vous laissent passer, c'est possible. Vous pouvez leur prouver que vos intentions sont bonnes en aidant leur sujet. Donc là, en fait, il va y avoir deux types de drapeaux. Il y aura les drapeaux, le beau drapeau, si vous voulez, et les drapeaux déchirés. Les beaux drapeaux, c'est quand j'aurai aidé quelqu'un, et les drapeaux déchirés, c'est quand j'aurai tué la personne plutôt que d'essayer d'effectuer son objectif, sa quête. Donc là 51, donc ouais, ça diminue, il faut à tout prix que je fasse des objectifs. Mince. Alors, voilà, tant mieux s'il y a des morts. Alors. Ouais, c'est un sacré labyrinthe quand même ce marin. Il y a pas mal de choses à explorer, mais bon. Ah bah regardez,
Donc là, je me mets à côté de la dinde. Dinde trouvée, hop, 5 nourritures en plus. Donc il y a plein de dindes hein, qui sont éparpillées partout sur la map. Là par exemple, il y en a, donc pensez à les ramasser. Alors là, on a un pêcheur. Hop, on tue le pêcheur et boum, 15 nourritures. Après, ça vaut pas le coup hein, de détruire les trucs de pêche et tout ça, ça sert à rien. Donc là, on va aller directement voir ce village-là. Vous, pendant ce temps-là, vous allez ici. Vous avez trouvé un temple. Ah, ils veulent pas prendre la 400. Ah, voilà. Vous voulez que les Amazones vous laissent passer? Ces femmes m'ont crevé les yeux quand je n'étais encore qu'un petit garçon. Je veux me venger, mince. Tac, tac, tac. Je veux me venger, perturber leur approvisionnement en nourriture et elles céderont. Voilà. Donc, ça, c'est les drapeaux comme quoi j'ai tué quelqu'un. Voilà, attention. C'est même pas un drapeau en fait, c'est un pic avec quelqu'un dessus, un palais. Et les beaux drapeaux, ils seront de ce côté-là. Regardez, il y a déjà en plus des petits emplacements qui sont préparés. Pour l'instant, j'ai des personnes. Par contre, j'ai tué quelqu'un. Je sais même pas qui est-ce que j'ai tué. Par contre, c'est ça qui est chiant, c'est que le prêtre disparaît. Ah oui, voilà. Vous avez trouvé un hôtel païen. Vous n'avez pas à toucher l'hôtel païen, mais il me semble que je peux quand même ramasser. Mince. Alors, par contre, les archers contre les canonniers, franchement, ça pique. Il me semblait qu'on pouvait quand même. Non, bah voilà, là je peux pas ramasser de nourriture. Il y a d'autres hôtels sur lesquels on peut ramasser de la nourriture. Par contre, du coup, ça fait un moment que je l'ai fait cette partie. Je sais pas si j'ai d'autres prêtres. Faites gaffe à vos conquistadors quand même. Après, il y a jamais des grosses troupes à combattre, hein, donc vous pouvez quand même gagner avec Francisco. Hein. Ça passe. Donc voilà, explorez bien un maximum quand même. Parce qu'après, vous allez devoir traverser et explorer ici. Donc voilà. Il y a quand même une sorte de compteur dans la game. Faut se manier. Je pensais trouver des daims, mais ouais. Pas grand chose. Pas de pêcheurs non plus de ce côté-là. Donc on va aller voir le village vert. Ah. Les pêcheurs. Les pêcheurs d'office, vous pouvez les aggro. Je vais quand même passer à côté. Voir s'il y a une quête. Vous avez trouvé une cabane de pêcheurs. 25 nourriture et une carte. Et si je le tue? C'était quoi là? Non, c'est pas eux. Hop. Et vous voyez, à chaque fois qu'on trouve une carte, il y a de nouveaux points qui apparaissent. Mince. Ouais, c'est bon. Donc là, il y a un petit camp en vert, un petit camp vert. Voilà, un hôtel Inca. Ou païen, j'en sais rien. Alors ici, les verts normalement donnent des objectifs, donc faites gaffe. Voilà, vous avez trouvé un village aborigène. Nos mineurs ont besoin de nourriture pour travailler avec ardeur. Malheureusement, Tonapa n'ose pas aller dans les marais tout seul. Pourriez-vous lui servir d'escorte? Voilà, allez, viens avec nous. Donc là, faites gaffe. Toi, tu restes ici. Attends que je trouve un prêtre si j'en trouve un. Parce qu'il y a quand même des petites patrouilles, hein. On vous donne pas un objectif comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est buter directement les petits bonhommes verts. Et à ce moment-là, ils vous donnent pas de quête. Par contre, ce que j'essaierai de faire, c'est de récupérer la nourriture de l'objectif. Et après, tuer les verts. Bon, on verra. Et d'ailleurs, la quête de base, je voulais pas citer. Nanana. Voilà. Soyez bon envers 6 sources de nourriture. Ou détruisez 6 sources de nourriture. Donc voilà. Vert et jaune à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai tué des jaunes.
Donc, alors les jaunes, c'est peut-être plutôt les drapeaux comme ça. Et dès les verts, pourtant ça me semble pas trop logique. Je pensais que quand on aidait quelqu'un, c'était plutôt les beaux drapeaux. Et quand on tuait quelqu'un, c'était plutôt ce truc-là. Enfin bon, on verra bien. Ah bah il y a une dinde, c'est plutôt cool. Ah, il faut que je bouge l'autre groupe là. Allez, vas-y, il y a plein de trucs à explorer là. Voilà, 20 de nourriture. En principe, ça vous rapporte toujours plus. Enfin, assez souvent, il me semble quand même. De nourriture. D'aider les personnes plutôt que de les tuer directement, bien sûr. Ça nous oblige à explorer la map, peut-être rencontrer des ennemis, donc voilà. La récompense est plus grosse. Parce que tuer les gens, c'est bien sûr l'option de facilité. Parce que surtout que les villageois, bon, ils vont pas trop se défendre. Je sais pas, je vois peut-être un petit pêcheur là en bas, mais je suis pas tout à fait sûr. Des dindes au pire. C'est vrai, ouais, c'est assez chiant à explorer. Jaguar, faites gaffe quand même. Je sais pas si... Non, ça donne pas de nourriture. Pourtant, je suis sûr que ça se mange la viande de jaguar. Et là, c'est bloqué. Ok, elle remonte. Vas-y, collez-vous ici, voir si on... Non, vous voyez rien du tout. Alors, on va continuer d'explorer à l'extrémité, là-bas. Et puis après, on prendra les bateaux. Parce que là, il me reste quand même des choses à faire. Donc vous, je vous ai tué. Toi, tu m'as pas dit grand-chose d'intéressant. Ouais. Ah, il y a une dinde. Ah, il y a quelqu'un qui m'a attaqué. Ah ouais, shit, comment il pique. T'es où, patron? Un sale prix de bateau. Pique quand même hein, les canoës. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais. 7 dégâts, 7 armures. Petite version miniature, on va dire, des galères après. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez explorer? Là, il y a encore une grosse zone noire ici. Là. Faudrait vraiment que je trouve un prêtre. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Je pense que j'ai être bloqué. Ouais, faites gaffe à toujours examiner votre nourriture. Bon, là, j'ai perdu les champions, donc voilà. Ça diminue quand même un petit peu moins vite. Les canonniers, je pense que je les amènerai pas de l'autre côté. Donc s'ils crèvent, tant pis pour eux. Voilà, par exemple, là, groupe comme ça, faites gaffe. Alors vous mettez le Relana en tank. Boum boum. Aussi c'est les dindes tant qu'il leur reste de la nourriture en fait elles apparaissent sur la map comme un petit point bleu hein. Et donc chaque fois on a l'impression que c'est une de nos unités là par exemple celle-ci lui reste 20 nourriture bon ça va mais c'est vrai qu'en attendant bon ça trompe un peu en fait gaffe le rouge a quand même une petite base sympa je suis même pas l'attaquer c'est pas la peine ce serait une perte de temps. Et peut-être aussi une perte d'unité. Donc là par contre regardez il y a... Mince. Oh bah oui ils vont crever, voilà. Il y a deux dindes côte à côte. Faut que je fasse gaffe tout à l'heure avec mes conquistadors. Quand je rejoindrai mes bateaux. Voilà. Donc là franchement il me reste déjà plus grand monde. Donc la nourriture va vraiment augmenter, enfin diminuer moins vite. Je vais pas dire augmenter parce que c'est quand même pas le mot. Et là par exemple, je sais pas si c'est bien ça du coup. Après vous pouvez tuer tout ce que vous voulez. Hein. Je crois pas que ça fasse disparaître les. Mince. Les drapeaux qui sont déjà mis. Alors là faites gaffe, hein, celle qui est rouge.
traverser là, ici ou pas? Tu vois, t'es obligé de faire un détour comme ça. Bon, ça vaut la peine, non. Essaye de voir si tu peux monter et rejoindre les bateaux tout de suite. Le dernier arrivera après. Vas-y, monte un peu. Ça doit être plus calme par là. Voilà, bon. Sauf si c'est le prix du bateau. Ouais, bon, c'est ouf. Me dis pas que je suis bloqué quand même, qu'il n'y a pas un petit passage. Oh, ils abusent quoi. Là, vous voyez une patrouille. Ok, alors là, ouais, les bateaux sont déjà abîmés. Ça, c'est pas tip top. Là, faut que je fasse gaffe au bateau qui est en bas. J'ai d'autres objectifs là. Nanana. Vous pouvez récupérer la nourriture auprès de pêcheurs, hôtels, approvisionnement Amazon. On attend le retardataire. S'il arrive en vie. Là, les canonniers sont morts pas trop loin, il me semble. Vas-y, rejoins l'autre côté. Je pense que tu es à passer maintenant. Il y a un prêtre. Bon, par défaut là j'ai tout mis dans le navire qui est le meilleur état, mais bon voilà. Voilà, prenez bien large quand même. Je crois pas qu'on rencontre de navire rouge sur le trajet, mais bon voilà, méfiez-vous. Visionneur Amazon. Ah bah regardez ici. Vous avez trouvé un troupeau de lames. J'ai perdu un de mes lamas pendant une transhumance au nord. Pourriez-vous me le ramener? Sain et sauf, s'il vous plaît. Allez. Oh,
On va te faire ça. Le voilà. Directement le village là-haut. Voilà, j'ai reçu une nourriture, prisonnier m'a donné 20 nourritures. Qu'est-ce que tu veux toi? Vous voulez à manger? Alors tue-moi ce jaguar. Faites gaffe parce que... Ah non, je pensais qu'il était plus fort que les autres. Corrija, Chaco, Corrija, Ari, Corrija, Corrija, Ari, Corrija. Et là, vu que j'ai pas fait trop de conneries, en plus, voilà, j'ai qu'un seul truc négatif. Ari. Là, par exemple, ce serait directement négatif. Ouais, voilà, vous avez pas de meilleure victoire que d'autres. Hein. Si vous voulez tuer les gens, vous les tuez. Hein. C'est pas moi qui le reprocherai. Hein. Faites gaffe par contre à vos navires. C'est marrant ça quand même, hein. Je vous ai dit d'aller ici. Ah, c'est que vous êtes obligé de passer par le haut. Mal, 8 dégâts quand même. Bon petit soldat, ça. Je sais pas contre quoi ils sont malaises. Non, non, celle-là. Pardon. Cinq nourritures et 20 nourritures. Il reste deux villages verts par exemple. Alors l'hôtel. Ah merde, j'ai déjà réussi à piquer la nourriture. Bon. C'est pas grave. Ah, vous avez persuadé les Amazones de vous ouvrir leur porte. Vous pourrez désormais traverser. Ah bah voilà. Je sais pas comment j'ai fait. 6 trucs dans le bien. Je sais pas. Alors par exemple ici là, quand vous approchez, lui, il vous demande un navire de transport en fait. Est-ce qu'il va me le demander quand même? Je vous donnerai 100 de nourriture en échange d'un navire de transport, voilà. Par exemple. Par contre les patrouilles sont toujours ennemies, alors faites gaffe. Alors attendez, peut-être qu'on peut rapprocher les bateaux, sinon on va y en avoir pour une plombe.
Aru. Actipe. Outia. Voilà, sans nourriture en plus. Pour ce qui était de ce village là, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un volcan qui fait du bruit ici. Et en fait, faut le calmer. Et pour le calmer, en fait, il y a un petit barrage. Mets de l'argent à la tête du roi quand il apprendra ça. Ouais, c'est ça l'argent. Et en détruisant le barrage, si vous voulez, il y a toute l'eau qui va aller submerger le volcan et qui va l'éteindre. Donc voilà, c'est ça le truc. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit des gros rochers comme on peut voir sur les certaines falaises, des gros rochers gris et blancs. Et en fin de compte, à l'intérieur, c'est une sorte de. C'est une petite yourte, on la voit pas, mais elle est très très blessée. Enfin, bien abîmée quoi. Vous donnez quelques coups et du coup, c'est ça en fait qui détruit le barrage quoi. Parce que bon, il n'y a pas de y a pas moyen de déclencher ça autrement en fait. C'est le fait de détruire le bâtiment qui boum détruit le barrage. Nous avons réussi, nous pouvons souffler un instant. Le roi sera ravi quand il saura tout l'argent qu'il y a trouvé dans la région. C'est cool. Et bah voilà. Je vais vous montrer. Il me semble que c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est le gros volcan. Et là, à l'intérieur, voilà. Vous avez une yourte. 20 PV, c'est ce qui fait les flammes. Bon, toi, il y a plein de patrouilles encore. Nous voyons. Bon, on a à peu près tout fait. Si vous voulez voir la base, du coup, de. Le rouge. L'endroit est assez sympa aussi. Bon bah les gars, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous.